Hey, this is Benjamin Mena from the Elite Recruiter Podcast. I am so excited. Just got done with an interview with Nicholas and phenomenal interview. So if you're watching this right now, make sure to go back and watch that interview first. But this is going to be a bit of a follow-on conversation. Nicholas is one of the best recruiters in all of France, all of Paris when it comes to AI and data scientists. But I wanted to kind of do something a little different and kind of go through some of the quickfire questions. And have him answer in French. So, and real quick, I am learning French. I am not fluent in French. So if you see me just eyes glaze over, I'm trying to learn it. But I am so excited for Nicholas to share. And I want him to be able to share some of the stuff that he's excited about from the podcast interview with some of his friends. So, all right, let's go. Nicholas, you ready? Oui. All right. So real quick, Nicholas, what advice would you give to a brand new recruiter that's just getting started off in the recruiting industry in 2024? Alors, je dirais de bien choisir la première entreprise dans laquelle vous allez travailler et d'aller de préférence dans un grand groupe comme Michael Page, Robert Walters, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des écoles formidables pour le recrutement, pour la vente. Et vous allez avoir beaucoup d'opportunités de voir des mentors, des personnes qui vont vous inspirer et de qui vous allez apprendre. Et c'est mon deuxième conseil, c'est de trouver ces personnes et de nouer des relations avec eux, parce que c'est ces premiers mentors qui vont propulser votre carrière par la suite. Same question, but for recruiters that have been around the block 5, 10, 15, 20 years, what advice would you give to them to continue to see success? Je leur dirais que ça ne s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre. Il faut continuer à se former. Il faut faire preuve d'humilité et se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose mieux que nous. Et il ne faut pas hésiter à investir. Donc, ça coûte cher parfois les coachs, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et le retour sur investissement de coachs, comme certains que j'ai cités dans la précédente interview, dans le début de l'interview, est énorme. Donc voilà, trouver des formateurs et des coachs. Et deuxièmement, surtout, si vous n'avez pas encore pris le train de l'intelligence artificielle, dépêchez-vous de monter parce que ça part et ça va pas s'arrêter. Love that. And like being a recruiter is hard. Being a solo business owner is hard. Being an entrepreneur is hard. You've had almost a decade of success with your company. How do you maintain the motivation and the commitment as a solopreneur? Pour moi, il n'y a pas de plan B. Donc, je sais que c'est ça ou rien. Ce business, c'est ma vie, c'est ma femme et moi, hein, c'est notre gagne-pain, entre guillemets, mais surtout, c'est notre passion et on ne veut pas faire autre chose. Donc, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, il n'y a pas de choix. Deuxième point, c'est que j'ai toujours vu ma carrière en tant que commercial puis recruteur comme une carrière de sportif. Et donc, je fais tout pour me donner les moyens de réussir. Donc, je fais attention à ma nutrition, je fais attention à ce que je bois et ce que je bois pas, je fais attention à faire du sport, à bien dormir, etc. Donc, voilà, c'est toujours se mettre de réunir les conditions du succès. Et ce n'est pas seulement en travaillant dur, c'est aussi avec tout l'environnement qui va avec. What are some of your favorite recruiting success stories? ma meilleure histoire, c'est quand j'étais à Dubaï et que je devais chercher un ingénieur civil vraiment dans une spécialité dont je ne me souviens même plus du nom, tellement c'était niche. Impossible de le trouver dans la région du Golfe. Donc, il fallait aller faire de la chasse de tête en Europe pour un poste à Dubaï. Et à la fin de cette chasse, eh bien, c'est un ingénieur civil grec basé aux Pays-Bas qui a rejoint mon client Société Française à Dubaï. Donc, je pense que c'est l'histoire la plus cool que j'ai connue en recrutement. So you're actively involved in the AI and the data science world in France and Paris and data science there. I mean, AI is just like getting so much better so fast. Like it is crazy how fast it's like getting better.
What's your thoughts on the future of recruiting when it comes to artificial intelligence? Donc, ce qu'on dit pour beaucoup de métiers, c'est que l'IA va pas remplacer le recruteur, le médecin, etc. Mais c'est par contre le recruteur qui utilise l'IA va remplacer les autres recruteurs. Donc, je pense que ça, c'est vrai. Quand on voit les gains de productivité qui sont amenés par ChatGPT et d'autres outils, enfin, c'est forcé que si on n'utilise pas l'IA, on va être dépassé. Donc, je pense qu'il y a vraiment une révolution, ce que je disais, pour les vétérans qu'il faut absolument suivre. Et après, alors, est-ce qu'un jour, ça va vraiment remplacer le recruteur, parce que l'IA sera tellement générale et peut-être, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le jour où l'IA remplace les recruteurs, elle va aussi remplacer beaucoup d'autres professions. Et elle va créer aussi d'autres professions. Je suis optimiste. Je pense que dans toutes les révolutions industrielles, ça a été comme ça. Il y a eu des métiers qui sont morts, mais d'autres qui sont nés. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Avec une nuance, c'est que c'est une révolution qui va très, très vite. Voilà. Je suis en tout cas pressé de voir ce que ça nous réserve. What advice would you give to a recruiter that's like been doing contingency, but is looking at making the shift over from to contingency to retained search? Alors, je pense que c'est vraiment un changement de paradigme. Il faut se former. Et le meilleur moyen, c'est de trouver un coach spécialisé dans le domaine. Et donc, je vais faire de la pub pour ma coach actuelle, Louise Archer, parce qu'elle est vraiment géniale, et en particulier sur le sujet retained search. Donc voilà, si vous, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas faire appel à un coach parce que vous n'avez pas les moyens ou que, par exemple, vous n'êtes pas à votre compte, donc c'est peut-être votre entreprise ne peut pas financer ces formations, suivez, il y a des contenus, elle fait des contenus gratuits et d'autres coachs font des contenus gratuits sur le sujet. Lisez des livres, voilà, formez-vous parce que c'est un changement de paradigme. Donc, il faut se former sur le delivery, comment on délivre une chasse quand on a un contrat avec Acompte, et aussi comment on le vend avant. Voilà, c'est aussi une formation commerciale qui est nécessaire pour pouvoir switcher. What do you think has been a big, driver of your own personal success? You've, had a great career at Oracle. You jumped into sales, with your engineering degree. You helped a startup in Dubai. You've successfully run your own search firm for almost a decade now. What do you think has been a big driver for your own personal success? Je pense que j'ai toujours été très très compétitif. J'ai toujours fait du sport et ça m'a suivi après professionnellement. Donc toujours voilà, vouloir être la meilleure version possible de moi-même. Et je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes. Je parlais de l'importance d'avoir des mentors. Voilà, j'ai vraiment rencontré des personnes qui ont changé complètement ma carrière et je leur suis éternellement reconnaissant. Et puis, c'est le fait de travailler très dur, mais de garder cette humilité, de me dire, voilà, je suis encore un produit en cours de construction et il faut que je continue à me former et ça ne s'arrête jamais. If you had the chance to sit down and have a cup of coffee with yourself, like we'll say a month after you launched your recruiting company, with everything that you know now, the experiences you have, the placements that you've made, the ups and downs, what advice would you give yourself if you got a chance to like go back in time and have that conversation? Alors, je pense que je dirais déjà que ça va marcher, mais ça, il y aura aussi des moments où ça va moins bien marcher, et c'est là qu'il faut s'accrocher. Et aussi et surtout, quand ça marche bien, il y a de l'argent qui rentre, et cet argent, il faut le gérer intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut garder de la trésorerie 6 mois minimum dans le compte de l'entreprise. Et aussi investir cet argent intelligemment. Pas besoin de faire des investissements compliqués, mais voilà, que ce soit d'un point de vue personnel, sur l'immobilier, sur que sais-je. Mais voilà, avoir un plan financier pour l'entreprise et pour soi-même.
And this is going to be probably the last question, but you've got a chance to know a lot of recruiters in the industry. You've been able to help recruiters out there. A lot of times when a recruiter calls and asking a question for help and advice and that kind of stuff, that you kind of know the answer, what the questions are going to ask. But what question wish what would be a question that you wish that recruiter asking for help would ask, and what would be that answer? Oh. Je pense que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui va pas dans ce que je fais? Et de vraiment se la poser. C'est-à-dire, OK, je prends chacun les deux gros process, la vente et le delivery. Et comment je peux améliorer et dites-moi ce qui ne va pas. Et d'avoir l'humilité et on parle souvent de vulnérabilité, de partager ça avec quelqu'un et de dire voilà, dites-moi où sont les trous là dans ma raquette et comment je peux corriger ça. Awesome. Well, Nicholas, I just want to say thank you so much for coming on the Elite Recruiter Podcast. Ever since we had the initial conversation, I've been looking so forward to the conversation. And make sure to go back and listen to the full interview. It'll be on Spotify, it'll be on Apple Podcasts, or you can watch it on YouTube. So once again, thank you so much. And for the recruiters out there, keep crushing it. Make 2024 your best year yet. Thank you. Merci beaucoup.